Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Commençons ce flash par la COP22. Présent à Marrakech pour la 22e conférence de l'ONU sur le climat, les chefs d'État africains se sont retrouvés pour un sommet consacré aux défis de l'Afrique pour l'adaptation au changement climatique. Chaque pays a présenté ses projets et programmes qui tiennent compte du facteur climat. Ils ont également défini des axes de coopération dans le but de partager les bonnes pratiques qui seront développées. Le Forum national de la recherche scientifique et technologique, FERCIT, se tiendra du 19 au 26 novembre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse où les organisateurs ont précisé le thème de cette 11e édition. Adaptation et résilience au changement climatique, place et rôle des sciences de la technologie. Le représentant résident de la Banque mondiale était hier dans le Baziga. Il est allé visiter une station d'élevage de poissons. Existant depuis 30 ans, cette station a été réhabilitée en septembre dernier par la Banque mondiale. Par ce geste, l'institution financière mondiale espère améliorer la productivité en poissons et éviter au Burkina Faso d'importer du poisson. Étienne Tshisekedi, le chef de file de l'opposition politique de la RDC, est contre toute prolongation du mandat de Joseph Kabila. Étienne Tshisekedi et ses partisans exigent une transition sans le président Kabila. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle autorise le président Kabila à rester au pouvoir jusqu'à l'élection du prochain président, prévue entre avril et octobre 2018. Afrique du Sud, un procès pour racisme s'est ouvert ce mercredi à Pretoria. Deux fermiers blancs auraient tenté d'enfermer dans un cercueil un noir. Dans les images publiées sur les réseaux sociaux, on peut y voir un jeune homme vivant qu'un de ses bourreaux tentait d'enfermer pendant que l'autre le menaçait d'y mettre un serpent. Après cette première audience, le procès a été reporté jusqu'au 25 janvier 2017. Mais pour l'heure, des protestations s'élèvent partout dans le pays. C'est tout pour ce flash d'information. L'information continue sur www.rtv.bf. Mais avant, Godefroy Bazier vous donne rendez-vous à 13h pour l'édition de la mi-journée.